Salut, c'est Mano Super Saiyan pour une nouvelle vidéo donc sur Pokémon version Ruby. Et oui, donc je lance un nouveau let's play. Donc je vais vous laisser l'intro. Comme ça d'avoir marché. Et puis vous savez. Voilà. Donc sur Pokémon version Ruby, donc c'est un tout nouveau let's play qui va remplacer Dinosaur King le temps que je trouve un moyen de faire débugger le jeu. Donc je vous laisse l'intro. Enfin, j'ai oublié de préciser que je suis en compagnie d'un ex-membre de la Sky Game Team. Tellement ancien que je suis sûr qu'il n'en se souvient plus même lui. Tu t'en souviens au moins quand on faisait partie? Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc là il est en train de geeker Black Ops sur ma PS3 avec ma manette sur ma télé dans ma chambre. Et moi je suis sur mon PC en train de vous faire une vidéo avec mon émulateur. Voilà. Et tu gagnes ou tu perds? Tout. Je vais vous laisser l'intro. Moi je suis comme ça en train de jouer à Pokémon Ruby et l'autre il est en train de jouer à Black Ops avec ses jeux de gamins pour les bébés Black Ops. Je déconne. Alors, Pokémon Ruby 2003. La pirate. C'est pas grave. Alors vous voyez que j'ai déjà commencé Let's Play en fait, j'avais déjà commencé mais ça a pas marché. En plus j'avais donné un surnom à mon Pokémon que j'avais choisi. Je vous donnerai son nom. J'avais choisi Arco et je l'avais appelé Trenfeuille. Un avion espion? Ouais, ouais. Alors, bonjour, désolé pour l'attente, bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seiko. Tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Donc c'est un Azurill. Non, si. Ce monde est peuplé de créatures à peu près Pokémon. Nous les humains vivons avec les Pokémon, il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois nous réussissons pour affronter au cours des formidables combats. Mais malgré le mignon, pour nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères, ces Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur, quoi. Et toi, qui es-tu? Alors, es-tu un garçon ou une fille? Ouais, la fille, bof, bof, c'est Flora, mais... Je t'ai vu regarder l'écran, qu'il est. On va prendre garçon. Thierry, Thomas, Daniel, Seb. J'ai ma plus Manon. T'as bah, le rival? Non, on n'a pas de rival. Ah bah non, il s'appelle Timmy le rival, merde. Pas grave. Alors. Ah mais c'est vrai, tu es Mano, tu viens d'arriver à Bourganval où j'habite, je me souviens maintenant. Bon, comment te sens-tu pour commencer une aventure épique? Fais preuve du courage de l'époque, tu verras de belles aventures remplies de rêves et d'amitié. Viens, je reviens plus tard, viens mon labo. Pourquoi toi rigoler? Désolé, c'est que je regarde la partie Black Ops. Je joue en mode hardcore pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, pour ceux qui me veulent en ami sur le PSN, c'est pour les abonnés, c'est Super Sky Game. Après, enfin, j'ai Mano Super 100 aussi. Hein. Mais bon, c'est plus pour ceux que je connais, quoi. Mano, on est là, chouchou. C'est fatigant, c'est ma mère, quoi. C'est fatigant de voyager avec les mêmes dans le camion de déménagement. Voilà, c'est Bourganval. Tu trouves ça comment? C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque, mais agréable à vivre, tu trouves pas? Et t'as ta propre chambre, Mano. Allons voir. Putain, la série de malade. T'as quoi comme gistrick? Pardonnez-moi. Alors, Mano, c'est joli ici, non? Les Pokémon et les ménageurs font tout le travail, nettoie après. C'est vraiment pratique. Mano, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, papa. Acheter une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. Même pas de mettre l'heure. Alors, dans Pokémon Emerald, c'est des Vigoroth, mais là, on dirait que c'est des Machoppers. Ouais, des Machoppers. Alors mince, on va régler mon or. Mano, va mettre l'horloge de ta chambre à l'heure, mon chouchou. L'horloge est arrêtée. Il vaudrait mieux la mettre à l'heure. Alors il est 15h14. J'avais déjà tourné, comme je vous l'ai dit, mais en fait j'avais mis avec mon casque et ça enregistrait pas le son du jeu. Donc j'ai dû recommencer. Il est 15 ans. Voilà. Ouais. Mano, ta nouvelle chambre te plaît, excellent, tout est bien rangé, ils ont fini le déménagement aussi en bas, ces déménageurs Pokémon sont vraiment des pratiques, quoi, surtout que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Ah mince. Non, je... Oh Mano, vite, viens voir. Regarde, c'est la reine de Clémentine, on va peut-être voir papa. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentine.
Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage. L'un de tes amis, il s'appelle professeur Seko, si tu as besoin de parler, voir, dire bonjour et te présenter. Ça roule. Bon, d'abord, je vais aller sur mon PC. C'est une Nintendo GameCube. Une Game Boy Advance branchée dessus et en vert. Et en sort de manette. Maintenant, allume le PC, retire objet. Mince, retire objet potion. C'est toi, ça, Yuan? C'est quoi comme ça? Ah ouais, excusez-moi les gens. Alors on va aller voir le prof Seko chez lui, c'est ça? Oui. C'est fini la partie? Oh bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Manon, nos voisins, son voisine, notre fille, à même âge que toi, notre fille, avait hâte de te connaître. Tu devrais aller voir à l'étage. Genre, je vais dans sa chambre, on se connaît pas. Salut Flora. Pokémon en pleine santé, objet prêt et attends. Hein? Hein? Qui es-tu? Ah! Oh, tu es Manon, donc tu as aménagé. Je m'appelle Flora, enchantée de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Manon, par mon papa, aussi cool. J'espérais que tu serais sympa, Manon, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Mano. Oh non, j'oublie. C'est ce qui a marqué, hein. Non, j'oublie, je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Maintenant, on se retrouve plus tard. T'as encore chaud avec une arme par terre, toi. Il carotte les armes des gens. Parce qu'en fait, Super Sky Game, normalement, on était trois à la base. Il y avait même qu'on l'avait appelé la Team Trio Galactique. Tu te souviens pas? Il y avait donc il y avait moi, Mano Super 100, la fille que vous avez entendue dans l'épisode 2 de Pokémon Crystal. Mais si vous voulez l'entendre, vous avez qu'à aller la voir. Et non, il était pas. Et toi, 19-9, 2-11, premier. Ah, t'as fait. T'es monté d'un niveau ou pas? Ouais. T'es monté au niveau 19? Non. Ça passe trop lentement. Alors. À l'aide! Ah, à l'aide! Là, bah d'ailleurs, j'ai besoin de toi pour savoir quel Pokémon je vais choisir. Salut, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi dans mon sac, il y a des Pokéballs. Alors, Poussifeu, Arco, Goubou, je prends quel? Poussifeu? Ou lui? Ouais. J'hésite. Deuxième chance pro. Ouais, c'est. Reste dans cette partie là. Donc les gens. C'est parti, on va prendre Arco. Reste dans cette partie là. Comme ça, ils sont pas très forts les gens. Prestige 15. Putain. Arco. Alors on va faire écrase-face. Non, mais évidemment, j'ai fait gros yeux. Quoi? Pourquoi tu rigoles toi? Désolé. Oh non, j'ai encore fait. Bon, c'est pas grave. Et dans mon ancienne partie, je l'avais appelé Tranfeuille. Mais j'ai recommencé parce que j'aimais pas son nom et qu'on n'entendait pas son jeu. Voilà, un coup, il est mort. Ça, c'est mon Arco. En plus, sans coup critique. Ouf, j'étudie les Pokémon sauvages à la dire quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, c'est toi? Ah bah merde, c'est un gars. C'est pas un endroit pour discuter, passe me voir là-bas, ok. Alors, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon et tu fais prendre un apport formidable, blablabla. Je suppose que c'est ton père qu'on intervient après tout. C'est ce que je vais faire pour te remercier. Je vais te donner les Pokémon que tu dis tout à l'heure. Manon reçoit Arco. Mmh. Tu peux les tuer? Ah oui. C'est le mec, dès le début, il tue tous ses alliés. Et vas-y, il y a souvent des gars là-haut, voilà. Tu vois, je te l'avais dit. En ce moment, Flora qui vit Pokémon sur la route 103, ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'est-ce que tu en penses? Super, ça ferait plaisir à Flora. Demande-lui d'apprendre quelque chose de ta vie d'adresse. Donc, les gens, on va aller à la prochaine ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces hautes herbes? Il doit souvent y avoir des exatons, mais tu me dis quoi, toi? Les Pokémon sauvages vont te sauter dessus dans les hautes herbes pour attraper des Pokémon. Tu dois aller dans les hautes herbes et chercher.
Non, bah y'a rien apparemment dans ce tutoriel, donc on va être dans celle-là. Un chenipote. Bah regardez Marc, il s'appelle chenipote, hein. Il évolue en crise. Non, il évolue en armulis ou blindalis et en charmillon ou papinox. Non mais avant j'étais un fan de Pokémon avant. Mais là grâce à certaines personnes je me suis un peu remis, mais juste sur les émulateurs. Non, pas les simulateurs, les émulateurs. Les émulateurs, j'ai dit. Les émulateurs. Quoi ? Sans pas rien dire avec toi. Bon alors, il n'y a aucun Pokémon dans cette herbe. Voilà. Un chenipote encore, putain. Écrase face. Je bourrine le bouton A, enfin le bouton Z, qui est égal au bouton A. Ça n'a qu'à 47. Non, ça n'a qu'à 47. Ah oui. C'est comme la K47 en fait, après. Alors, Arco est monté au niveau 6, les gens. Il a appris vol vie, c'est très utile. On va aller à la première ville qui s'appelle Rosière. Voilà. On va aller faire soigner notre Arco. Et vous savez, oui. Allez. T'es plus en tête ? Allez. On va tester votre vie, les gens. Alors, en sujet de Dinosaur King, en ce moment, j'ai pas du tout le temps. J'étais en train de chercher tout à l'heure. En vrai, Johan, un problème pour Dinosaur King. Donc, lui, jouait à Call of. Moi, j'étais en train de chercher pour Dinosaur King. Et franchement, impossible de trouver. Impossible de mettre la main sur un nouveau logiciel bien. Donc, vous allez devoir patienter encore quelques instants pour la suite de Dinosaur King. Surtout, dédicace à mes amis de jeuxvideo.com. Je voudrais faire monter niveau 7 avant d'affronter Flora. Ce serait pas mal. Si je gagne, c'est beau. T'es mort ? On va faire encore écrase-face. Enfin, on avait fait Valvi, je crois. Ouais. Désolé si je parle pas trop, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui fait la sieste à côté, donc j'essaie de pas parler trop. Arco monte au niveau 7. Allez. Voyons les Pokémon trouvés sur la route sur 3 qu'on prenne. Oh, salut Mano. Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon puisqu'on est là, on a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que c'est, il y a un impresseur. J'aime bien la musique. La musique du premier boss. On va faire écrasse. Regarde, elle a pris Poussifou, elle.
façon, si je prends type plante, elle prend type feu. Si je prends type feu, elle prend type eau. Si je prends type eau, elle prend type plante. Mais et en plus, dans le film, dans l'animé, Sacha il prend Arco. Donc, même si on n'a pas Sacha, comme ça, Flora elle a possible, comme dans l'animé. 69, donc là il monte au niveau 8, je pense. Ouais. Là, c'est encore un AK 47 AU. Voilà, c'est ça. 47 AU, je fais une fusion. Allez, on va suivre Flora, les gens. Ah, niveau 19, c'est bien ça. Enfin, niveau 19, pas dans le jeu, hein, pas dans Pokémon. Hein. Mais dans Black Ops. Niveau 19, prestige 15, hein, les gens. Pas vrai, Johan? Par la vie de laboratoire. Je t'ai fait allumer. Mais c'est un campeur, regarde ce campeur, putain. Ouais. Il paraît que tu as battu Flora, belle performance, tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti, Mano, elle a déjà l'expérience comme dresseur. Tiens, Mano, j'ai commandé ça pour mes recherches, une fois, c'est pour aider, c'est plus utile que moi. Mano reçoit le Pokédex. T'as l'outil technologique qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout, à chaque fois qu'un Pokémon monte de niveau, il rajoute son Pokédex. Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Oh, c'est super, Mano, toi aussi, tu as Pokédex, c'est génial, tout comme moi, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Obtenu Pokéball. Quoi? Moi, tu vas voir, je vais aller dans le jeu des Pokéball, je vais capturer les armes. Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que je veux d'autres Pokémon. Si je veux trouver des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéball. Et bah, vas-y, va essayer d'attraper des Pokémon niveau 50 avec tes petites Pokéball. Moi, j'aurais déjà des Hyperball, mais bon. Est-ce qu'elle m'a donné. Ouais, elle m'a donné les Pokéball. Alors, les gens, on va. Maman. Oh putain. Mano, tu fais connaissance avec le prof Seco? Oh, quel adorable Pokémon, le prof Seco, t'as donné sur l'antique, tu es bien. Ah, ça me fait mal, j'ai vu. Tu sembles être d'accord avec les Pokémon. Tiens, chouchou, si tu pars à l'aventure, mais ses chaussures de sport. Ah, chaussures de sport. Ses chaussures s'accompagnent d'un mode d'emploi. Avec ses chaussures de sport, appuyez sur le bouton B pour aller plus vite. Une fois les chaussures de sport enfilées, vous pourrez courir dehors. Ton père va être ravi, mais je t'en prie, fais attention, ça se passe mieux, tu pourras. Allez, vas-y. Allez, on va aller attraper des Pokémon. Et je sais déjà où aller attraper parce qu'hier j'étais tombé sur un putain de beau Pokémon, les gens. Par là. On va en profiter pour faire expert quoi, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, t'as le double. T'as un ratio de 2 parce que t'as plus 14-7, ça. Arco gagne 23. Je voudrais tomber sur un Pokémon de type psy qui se travaille dans ces herbes-là. Ça va nous permettre de faire expert quoi en attendant. Je trouve qu'il évoluera peut-être dans cet épisode. Mais... j'essaie de le faire monter au niveau 9 en attendant que je cherche. Mmh. 14-7. Ah, t'es resté à 17-12, je vois, par contre. Vous avez gagné ou perdu? Gagné. Moi, je cherche un Pokémon de type psy, je vais pas dire mon nom. C'est le prestige 15 qui avait fait 17 de je sais pas quoi là. T'as bientôt assez pour t'acheter une clé noire. Ok. Ouais. Achète des atouts. Ouais, niveau 9. Arco est monté niveau 9. Je cherche un Pokémon type psy, je vais pas dire le nom, normalement les gens connaissent.
Putain, hier je suis tombé sur une fois le seul poké. Un chenou peut être niveau 4, c'est tentant, mais non. En plus, c'est un mal. Et je joue pas avec une manette pour une fois, j'avais trop la flemme de sortir ma manette de la branche, etc. Je l'ai porté à la plage hier d'ailleurs, mais qu'est-ce que t'as du gaz? Et c'est mal envers. Je l'ai payé 50 balles. Tu l'as payé 50 balles. Tu vas la garder? Oh non, tu fais un. Tu joues mieux que tu peux. Hein. Ça va jusqu'à 20, non? Hein? Non. Dans BO2, ça va jusqu'à niveau 10. Ça va parce qu'il y a prestige 11. C'est moins fluide, comment dire, c'est moins réaliste en fait. Ça fait, c'est moins bien. Putain, mais il y a que des hexagones. Ça fait 3 minutes que je suis en train de faire des exactements. Mmh. Les gens, ces exactements me cassent les couilles. On va sortir, on va aller un peu dans de vieux herbes. Je sais pas si on en a dans d'autres. Mais... Oh là, il y a un brasseur, j'ai pas envie de le faire. On va utiliser la potion. Désolé si je parle pas trop les gens, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père qui fait la sieste parce qu'il a pas dormi la nuit, parce qu'il travaille. Merde, j'ai lâché à côté. Il s'est chié, c'est ballot. Bon, écoutez les gens, je chercherai en vidéo Pokémon voulu. Si tu as un Pokémon avec toi, alors tu as forcément un Pokémon, tu peux pas refuser mon défi. Ouais, c'est campeur, hein, de merde. C'est un allié ou un ennemi? C'est le même projet tout à l'heure. Ouais. Je suis un peu de Voldy, j'attends les attaques. Le mec il a un jet. 2-4, oh, c'est quoi l'arme actuelle? Arco monte au niveau 10. T'en as tué combien là? 3. Je veux dire que tu rachis, hein. Ouais.
Allez, un petit Arsenal. Ah merde, j'ai dit ce que je cherchais. Et oui, non. Hier, par hasard, en faisant le... Non, avant-hier, en faisant le let's play, je suis tombé par hasard sur un Tarsal. Un seul, et c'était une femelle, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Et finalement, j'aurais dû. Allez, Tarsal, on se deuxième. Ça sert Tarsal, les gens. Bim. Merde, ça chenille pas. Bon, écoutez, les gens, on va s'arrêter là. Je ferai hors caméra parce que je dois tourner le Pokémon Crystal maintenant. Oui. Donc, les gens, je vous dis abonnez-vous, commentez, allez regarder mes autres épisodes de mes autres Let's Play. Et... à bientôt pour l'épisode 2.